Bonjour. Ah voilà, parfait. Une musique parfaite pour faire la meilleure tier-list de tous les temps. Il faut vraiment que vous entendiez bien la musique, c'est très important pour cette tier-list. Voilà, nickel. Bienvenue pour cette tier-list sur les Magikarp. Eh oui, car après de nombreuses demandes, j'ai enfin décidé de faire cette tier list. Donc on va commencer maintenant. Je me demande qui va être premier. Alors on va commencer absolument dans l'ordre, hein, vu que je les ai mis dans le désordre de toute façon. Ah, le Magikarp classique. Et oui, le Magikarp que tout le monde connaît, hein, bien sûr. Ce fameux Magikarp qui saute dans l'eau comme ça. Plouf, plouf. Voilà, qui fait trempette, et même si Magikarp, comparé à ce qu'on dit, n'apprend que trempette, c'est faux. C'est faux. Magikarp apprend aussi fléau. Et charge. Et ça, c'est cool. Parce que vous dites, Magikarp, en vrai, c'est nul, mais Magikarp, il apprend fléau. Et si vous faites tenir la ceinture force, et ben ce que vous faites, c'est qu'en fait, l'ennemi vous met à un PV, vu que Magikarp est fragile, mais Magikarp a glissade, et glissade, ça augmente votre vitesse sous la pluie, et bien sûr, juste avant, vous avez mis la Rain, avec un Tarpeau ou un Béquipant qui tenait la roche humide, et du coup, Magikarp est super rapide, et outspeed absolument tout le metagame, et là, vous pouvez me croire à 100% et me faire confiance, personne ne outspeed Magikarp. Voilà. À part s'il a une attaque de priorité, mais personne joue avec des attaques de priorité, c'est de la merde. Tout le monde joue des flagrations en colère, bizarre, c'est bien connu. Et en plus, il est méga stylé, Magikarp. Et oui, du coup, vous dégommez tout le monde avec Fléau, bien sûr. Excusez-moi, j'ai pas fini. D'ailleurs, maintenant, Fléau s'appelle Vigotement. Si vous voulez. Donc, Magikarp, en vrai, hein, le classique, il est très beau. Il est magnifique, mais est-ce que je le mettrai en S? Ah, je sais pas. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Donc je vais mettre en A parce que je sais pas. Voilà. Mais Magikarp classique, un classique. Ah, lol, MDR. Follow ma chaîne s'il vous plaît. Ne bannissez pas Twitch, merci. Ah. Le Magikarp chromatique. Magikarp chromatique, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah il est comme Magikarp, sauf qu'en plus il est chromatique, donc c'est en S, hein, bien sûr. Voilà. Là, le Magikarp doré d'ailleurs aussi, hein, qui a le droit à un musée, quoique... Ah! Salut Xafarino, tu arrives au bon moment. Quoique le Magikarp chromatique, je trouve quand même moins beau que le Magikarp normal, mais c'est vrai qu'il est doré. Du coup, je sais pas si je le mets en B ou en S. Ah, je le trouve moins beau, donc je vais le mettre en B, ça me paraît logique, hein. Voilà. Pour l'instant, voilà, on a Magikarp en A et Magikarp en B. Ça me paraît équilibré tout ça. Xafarino, t'es inscrit au concours Platine, histoire de parler d'autre chose que Magikarp? Parce qu'on manque grave de monde. À 2h du matin, demain, pas de stream. Quoi? Mais n'importe quoi, j'ai jamais dit ça. Oui, sur le Discord. T'es peut-être pas sur le Discord. Si t'es sur le Discord. Ah oui, tu t'es inscrit, excuse-moi, j'ai rien dit, t'as mis 6. Il était reporté parce qu'il n'y a pas assez de monde et j'étais crevé. J'ai jamais dit qu'à 2h du matin, il n'y aurait pas de stream. Qu'est-ce que tu racontes, Lucas? Tu vois bien qu'on fait une tier list des Magikarp. Mais Magikarp chromatique, il a le droit à un event en plus, c'est vrai. Et Magikarp normal n'a pas le droit à un event. Donc est-ce que ça lui permettrait pas de monter en A?
Ah bon, allez, Magikarp en vrai. Ouais. T'as le droit à un event, ok. Si en vrai tu mérites pas. Ah, pourquoi je l'ai appelé comme ça? Ah oui. Le Magikarp Donjon Mystère. Alors, j'en ai jamais vu. Mais c'est Donjon Mystère, et Donjon Mystère, c'est un jeu que j'aime bien. Donc c'est minimum C. Pas D. Et je crois que j'en ai vu par contre sur des vidéos. Salut le docteur, comment vas-tu? J'en ai vu sur des vidéos et Magikarp Donjon Mystère, je crois qu'il avance en genre sautant comme ça sur son corps. Genre il flotte pas comme les autres Poiscailles de merde là. Ces trucs nuls comme Gargantua là et puis l'autre truc là, l'espèce de missile, torpille, je sais pas quoi là. On s'en fout de ces Pokémon à la con. Nous ce qu'on s'intéresse à Magikarp. Magikarp il sautille comme un vrai poisson. Donc ça c'est du bon B. Oh puis son sprite est adorable comme j'ai envie de le mettre en A lui aussi. On va le mettre en B parce qu'il est mignon, voilà. Pourquoi il y a plus de femelles que de mâles? Parce que je suis sexiste. Alors. Le Magikarp. Le Magikarp. Vieux Magikarp. Le Magikarp. Angé. Le vieux Magikarp, ce qui était bien, c'est qu'il y a un vendeur qui nous le vendait à 500. Et 500 pour un Magikarp, c'est donné. Qui ici a déjà acheté ce Magikarp à 500? Moi, je l'ai fait. Et je ne regrette pas du tout. Bah, ça va, je regarde mon nouveau setup de Modo pour la prochaine. Ah oui, t'as vu, t'as un nouveau setup, c'est trop bien. Genre mode pro, je t'enverrai un screen plus tard de jouer avec mon coloc à Lego Star Wars. Et ben, en vrai, Lego Star Wars, enfin, les jeux Lego en général, c'est très bien. Voilà, je vous le dis. Non, il n'y a pas Lego Magikarp, je suis désolé, hein, je l'ai pas mis. Il y avait trop de place, il y avait trop de trucs à mettre, j'ai pas pu tout mettre malheureusement. Voilà. Ouais, le vieux Magikarp, ouais, il y avait un vendeur qui nous le donnait, ça c'était cool. Par contre, il apprenait pas Fléau. Ni Hydrocanon. Putain, oui, putain, le Magikarp là. Ah, mais t'es. Attends, excusez-moi. Salut à toi, les Zakuren. Magikarp normal, c'est vrai, putain, je t'ai pas dit, tu vas en S. Voilà. Tu apprends Hydrocanon. Alors que toi, tu n'apprends pas Hydrocanon et ton sprite est un peu moche. Mais tu restes Magikarp. Il était comment le sprite de Magikarp? Oh, j'imagine qu'il était super moche. Donc je vais te mettre en B. Ah, on sait, non, on sait. Il est trop. Non, on sait. Bon, il y avait un vendeur qui nous le vendait, mais c'est le vendeur qui fallait mettre en B dans ces cas-là, pas le Magikarp. Je suis désolé. Pardon, je rigole parce que Magikarp, ça me rend heureux. Voilà, le Magikarp, vieux Magikarp, c'est là, c'est un vieux, tout le monde sait que les vieux, ça va en maison de retraite. Pour mourir. Alors, le cookie Magikarp, que j'imagine être délicieux, mais en même temps, est-ce que c'est pas un truc de connard de faire des cookies et des gâteaux d'ailleurs en forme d'animal en général, et surtout en forme de Magikarp, parce que du coup, ce truc a l'air délicieux, mais tu peux pas le manger parce que c'est à l'effigie de Magikarp. Et t'as pas envie d'abîmer un Magikarp. Du coup, est-ce que ce connard qui a fait ça aurait pas plutôt dû faire un truc en argile ou une sculpture, quoi? Ça aurait été mieux, non? Parce que là, tu vas l'abîmer le Magikarp, c'est du gâchis. Du coup, je vais te mettre en E. Pas en F, parce que faut pas abuser non plus. Ça reste Magikarp. Mais en F. Et en vrai, il est marrant. Et je suis sûr qu'il est délicieux. Si j'étais pas un connard de végétarien, qui brûle des boucheries, je l'aurais mis plus haut, mais bon. Voilà. Ah! Le Magikarp réel, hein, de notre vie, voilà, vous savez pas, mais il y a des Magikarp dans la vraie vie. C'est celui-là. Je vous présente. On appelle ça des poissons koi, mais en vrai, c'est des Magikarp. Hein, voilà. Ils sont cons les gens qui disent des poissons koi. Ah, après, il est plutôt marrant. Et c'est Magikarp. Mais malheureusement, je crois qu'il n'évolue pas. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'il n'évolue pas. Du coup, je sais pas où le mettre en fait. Dans notre vie, il est plutôt beau. Je vais le mettre en C parce que je sais pas où le mettre en fait. Il aurait évolué, bon voilà, mais bon, il est vu qu'il évolue pas.
C'est un peu dommage, hein, voilà. Je vais te mettre en C, Magikarp Koi. Magikoi, on va l'appeler comme ça, Magikoi. Parce que en vrai, voilà. Alors, pas Magikarp. Voilà, donc pas Magikarp. On va le mettre en D. Parce que c'est pas Magikarp. Voilà, en plus son évolution Léviator est super chelou. J'ai pas trop compris, il a une calvitie. D'ailleurs, en parlant de pas Magikarp, j'ai un pas Magikarp à faire évoluer, mais j'ai pas de belle écaille, voilà, sur ma Switch. Je me suis fait chier à le bride, cet enculé, pour qu'il ait bu et noir, et du coup, bah voilà, actuellement, je suis en recherche de la belle écaille avec quelqu'un pour me le faire évoluer. Voilà. Merci. Si vous pouvez vous prononcer maintenant, ceux qui savent où on a une belle écaille et ceux qui savent. Ceux qui pourraient bien me le faire évoluer, je suis preneur. Alors, à ceux qui disaient que j'avais dit qu'il n'y avait pas de live hier à 2h du mat, nom de sale menteur. Regardez, il y a bien un live aujourd'hui. C'est un live excellent en plus. Phil Dong va mettre une vidéo dans la nuit, je sais, je l'ai vu il y a 1 heure en fait. Donc tu me le dis maintenant, mais j'ai déjà vu en fait il y a 3 ans, quoi, son truc. Ah, le Magikarp Pixel. Il est quand même beau. Hein. Après, en vrai, il vient d'un jeu un peu bizarre que j'ai joué une fois, genre 10 minutes littéralement, et j'ai arrêté. Parce que le jeu était vraiment trop bizarre pour moi. Sur Switch. Donc, je te vais te mettre. Il est quand même magnifique, hein. Puis ça me rappelle Pixelmon. Et Pixelmon, c'est quand même un bon jeu. On va te mettre en B. Pour la même raison que le Magikarp Donjon Mystère. D'ailleurs, j'ai oublié pourquoi j'ai mis le Magikarp Donjon Mystère ici. Mais pour la même raison, je vais te mettre là. Ça me paraît être un bon plan. N'hésitez pas à me dire si j'ai tort quelque part. Si je suis un fils de pute aussi. N'hésitez pas à me dire. Aujourd'hui, vous avez le droit de me traiter de fils de pute. Vous ne serez pas ban. Le Magikarp Pokken Tournament. Wesh, même dans Pixelmon, les Magikarp sont mieux faits. C'est méchant. Ça. Mais c'est son avis. Le Magikarp de Pokken Tournament. Il est super dégueulasse parce qu'en fait il est réaliste. Et tout le monde sait que les Magikarp réalistes ça ressemble à celui-là. Attends, vous voyez pas. Ça ressemble à celui-là que j'entoure. Donc tu vas aller en D. Après j'ai vu qu'il avait rebond. Et qu'il faisait rebond sur la tête des joueurs en face. Et tout le monde sait que le rebond de Magikarp est méga vénère, hein, il peut vous briser la nuque, vous écraser. Je l'ai vu dans une vidéo de Pokémon Trash, comme tout le monde d'ailleurs. Ah, trop bien cette musique. Je devrais monter le son plus fort, mais je vais pas le faire parce que j'ai peur que vous m'entendiez plus. Est-ce qu'on entend bien la musique? Oh, je peux monter le son, carrément. Oh, tellement beau. J'ai tellement envie de me marier avec quelqu'un quand j'entends cette musique. Vu que j'ai pas d'âme. Ah! Le Magikarp volant. Et oui, ce Magikarp qui est en l'air comme ça, et qui tombe. Et qui raterrit, qui tombe et qui raterrit. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Mais il est là. Donc on va le placer quelque part. La légende raconte que Trompette est l'attaque la plus forte du jeu avec 250 de dégâts. Ouais, ce qui paraît. Mais moi je préfère le jouer, comme j'ai dit au début de live, effort. Non, Fléau, pardon. Fléau, ceinture force, glissade, pour outspeed tout le metagame et tuer tout le monde avec Fléau. Et oui, non, c'est la meilleure strat de Magikarp. Tout le monde sait que Magikarp, s'il est. S'ils ont créé un metagame, enfin, juste pour lui, c'est vraiment parce qu'il est trop fort, quoi. D'ailleurs, Mega Rayquaza est peut-être le seul qui peut faire semblant de faire quelque chose. Parce que vitesse extrême, hein, voilà. Mais sinon. Magikarp, hein. Et je rappelle que Magikarp Trempette Z, ça augmente 3 fois l'attaque. Je dis ça, je dis rien après. Il y a encore des gens pour me dire que Magikarp c'est nul. Hein. Le Magikarp volant, bah encore une fois, si t'atterris sur la tête d'un mec, il est mort. Mais est-ce que si tu atterris sur la tête par exemple d'un Galeking, il meurt? Moi je pense que oui. Donc je vais te mettre en A. Voilà, avec le Shiny. Il se fout one-shot instant!
par fléau Magikarp 1 PV, mais en fait Rayquaza il est débile. Rayquaza il va taper fort comme il fait tout le temps, il va le mettre à 1 PV sauf qu'il aura la ceinture force. Et vu qu'il a glissade Magikarp, et qu'il t'a activé la pluie plutôt parce que t'es un génie, et ben Magikarp il va être plus rapide que Mega Rayquaza parce que c'est bien connu que Magikarp est super rapide. Et en plus il est glissade, c'est mort, c'est... laisse tomber, c'est fini, c'est terminé. Le game est fini. Tu fais fléau, Magikarp dégomme Rayquaza. C'est un fait, hein, on peut pas contester ça. Putain, enchaîne toute la team ennemie, il peut rien faire. Après, tu te fais ban de Showdown, forcément, parce que bon, c'est illégal de faire ça. Léviator. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Léviator, c'est... Bah, on va dire que c'est encore une de ces évolutions où le Pokémon perd littéralement de son charme, de son charisme. Mais en plus, il est plus résistant, du coup, il a moins de chances de se faire battre à un PV. Et du coup, son fléau est moins fort. Du coup, c'est nul. Là, ils vont me dire Dragon Dance, sauf que bon, Dragon Dance, c'est un tour de setup et Magikarp a besoin d'un tour de setup. Magikarp, il fait sa vie. Magikarp, les développeurs de Showdown ont pensé à le mettre dans une classe au-dessus de l'Overuse. Ouais, l'Anything Knows Plus, j'ai vu, ouais. Mais ils ont pas fait, en fait. Ils se sont dit que forcément, tout le monde va vouloir le jouer, déjà parce que tout le monde l'aime, Magikarp. Et ensuite, parce qu'il est trop puissant, quoi. Puis, il one sur tout le monde, en fait. D'ailleurs, si vous jouez Magikarp contre Magikarp, les serveurs plantent. Mais pas Showdown, les serveurs Internet plantent. Du coup, il existe des trucs gouvernementaux pour éviter que ça arrive. Voilà, voilà. C'est tout ? Ah non, il y en a d'autres. Mais comment ça se fait que... Ah, t'es là. Voilà. Le Magikarp que j'ai dessiné sur Paint 10 minutes avant de lancer ce live. Alors là, par contre... Magikarp. Erreur 404, tellement. Tout plante, en fait. Donald Trump, Emmanuel Macron... la reine d'Angleterre, si elle est toujours vivante, je pense que oui. Hein. Au bout de 200 ans, on se doute qu'elle va pas crever un jour. Magikarp a tout appris à Chuck Norris, c'est vrai. C'est Chuck Norris, en fait, quand il dégomme tout, il fait trompette. Trompette, c'est... L'attaque est tellement rapide qu'en fait, vous la voyez pas. Vous voyez pas ce que fait Magikarp. En fait, Magikarp, il fait des trucs de malade. Dans le jeu, c'est écrit, mais rien ne se passe. Mais rien ne se passe. Mais c'est ce que disait aussi Gohan quand Vegeta et Son Goku se battaient. Il disait mais il ne se passe rien. Et qu'est-ce que disait Piccolo? Oui, c'est normal, il bouge trop vite pour toi. Concentre-toi. Et là il a vu des trucs de malade. C'est pareil pour Magikarp. Vous êtes trop nul, vous pouvez pas voir, mais bon. Alors le Magikarp que j'ai dessiné sur Paint. Vladimir Poutine serait souffrir de Magikarp d'après les médias, c'est vrai. Ouais. C'est totalement vrai. J'ai rien à dire, c'est vrai. Lui, par contre, je sais pas où je vais le placer. Après, c'est moi qui l'ai fait, donc forcément, c'est top tier. Mais c'est mon avis, donc moi je propose, vous me donnez une lettre, je la mettrai dans la première lettre qui sera là. Qui s'affichera. Bien sûr, la lettre doit exister, hein, sinon, bah. Sinon, taisez-vous. B, bien sûr, B. Évidemment. Il est mieux que C, mais pas non plus assez ouf pour être en A et surtout en S. Hein. J'avoue que le Magikarp que j'ai signé sur Paint, hein, 10 minutes avant. Hein. Je l'ai détouré de la manière la plus dégueulasse que j'ai pu. Le Magikarp du Pokémon Home. Alors, le Magikarp du Pokémon Home, déjà, c'est comme les Magikarp classiques. Sauf qu'en plus, le Magikarp du Pokémon Home... Et ben au moins tu peux le retirer sur ton jeu. Alors que des Pokémon de merde comme, je sais pas moi, Carvana, tu peux pas. Chez Carvana, dans ton cul. Même ce fils de pute de Kyogre, il peut pas se retirer. Alors que Magikarp, il peut. Il manque pas des lèvres à ton Magikarp. Si, j'en ai fait, mais elles sont toutes petites.
Parce que le marqueur était trop gros et le pinceau trop petit, du coup je préférais le pinceau. Ah, le Magikarp de James, voilà, qu'il a acheté au vendeur hein, du vieux Magikarp. Alors c'est un peu le vieux Magikarp, mais bon, c'est le Magikarp de James. Il a duré qu'un épisode. Parce que bon, hein, on va pas revenir sur tout ce qu'on a dit sur la strat, hein, parce que la strat ça va aussi pour éliminer. Hein. Magikarp trop pété. Bon, après, Magikarp est nerf. Hein, d'ailleurs, fin d'épisode, Magikarp est nerf vu qu'il devient Léviator. Je comprends après, voilà, les choix scénaristiques. On dit que Nintendo fait n'importe quoi, mais bon, on pense pas assez à l'animé qui, quand même, a pensé à nerfer Magikarp dès la fin de l'épisode. Hein. Genre, en cours de l'épisode, ils sont en train de dire: Oh là, Magikarp est trop fort, on va le nerf. Dans le même épisode, c'est vous dire. Hein, c'est le nerf le plus rapide que j'ai vu de ma vie. Donc en vrai, Magikarp de James, je sais pas. Bon, il a le droit à un épisode à lui, quoi. C'est le Magikarp du vendeur, mais c'est le vieux Magikarp. Donc en A. Ça aurait été pas le vieux Magikarp, je l'aurais mis en S. Il aurait pas été nerf aussi vite aussi, hein, quand même, faut le dire. Voilà. Magikarp divin, voilà, d'une fresque qui existe vraiment dans un pays dont je ne vais pas vous dire le nom, parce que j'ai oublié. Voilà, croyez-moi, c'est pas une image du tout de l'animé ou n'importe quoi, c'est vraiment une vraie peinture divine. Les plus grands cerveaux sont mis en œuvre comment représenter Magikarp de la plus belle des façons. Notre cerveau n'est pas assez puissant, enfin, notre cerveau n'est pas assez en fait, comment dire, bien formé. Pour pouvoir nous imaginer vraiment la perfection de Magikarp, mais en tout cas la perfection au plus proche ça ressemble à ça. Donc je vais le mettre en S parce que bon c'est un peu la perfection. Le Magikarp divin. On dit que Arceus est descendu sur Terre pour donner son approbation sur ce chef-d'œuvre. Voilà. Bon, bah cette tier list, elle est finie. Ce live d'ailleurs aussi, hein, déjà fini. J'espère que ce live vous a plu. En tout cas, moi, je vais retourner me branler sur des hentai. D'ailleurs, je suis en train de faire ça. Et voilà. Merci d'avoir regardé ce live. N'hésitez pas à me donner votre argent sur Tipeee. J'ai pas Tipeee. Non, c'est quoi que j'ai? Si, c'est Tipeee que j'ai. Ou c'est YouTube, je sais plus, je m'en fous. N'hésitez pas à vous abonner, à offrir des subs. Offrez 25 subs, s'il vous plaît, ça me permettra de débloquer des émotes. Et peut-être même cette emote Magikarp là, le Magikarp Paint. Voilà, je vous remercie en tout cas. Moi, ça m'a fait plaisir de faire ça. Je peux comprendre que des choix ne peuvent pas plaire à tout le monde dans ce classement. Mais moi, perso, voilà. Je vais rentrer à dire que voilà. Maintenant, je vais manger près de mon micro en attendant que vous me donnez vos sous. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me dire quelle Magikarp vous aurez vu dans ce classement. Je rappelle que pour faire que je veux bien trouver quelqu'un pour faire évoluer mon Barpo. Pardon, pas Magikarp. Voilà, ce live est fini. Maintenant, je vais vous host vers une chaîne de qualité. Promis, c'est pas un truc de cul. Allez, je vous embrasse. Je vais aller m'enlever.